dimanche, dans le vlog d'hier, je vous ai raconté qu'il m'est arrivé un truc, que je me suis couchée tard, etc. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Une histoire de ouf, hein, franchement. Là, il faut que je me dépêche, je vais m'habiller et tout, parce qu'on va sur le marché avec ma soeur et mes parents et mon beau-frère. Du coup, je me dépêche à m'habiller parce que je suis pas en avance. Et puis, bah ouais, je vous expliquerai tout à l'heure ce qui s'est passé. J'ai retrouvé ma soeur, comme d'hab. On est sur le marché de Dreux, Gonesse dans le 28. Et voilà, j'ai pas pris mon sac à main parce que j'ai pas d'argent, donc faut éviter de gaspiller de l'argent pour rien. Toi aussi. Ça me fait une grosse tête. C'est parce que je filme avec mon téléphone là. Ma chemise est de la même couleur que les volets. Bref, on vient de rentrer du marché. Il n'y avait rien d'exceptionnel, hein. Franchement. Il n'y avait rien de ouf. Là, je vais monter le vlog d'hier, du coup, parce que je ne l'ai pas monté avec tout ce qui s'est passé hier soir. Et après, on va faire un jeu avec ma soeur, tiens. Le jeu de c'est un 10 ou c'est un 8, c'est un 5, mais je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vais vous expliquer après quand on le fera avec ma soeur. Et dans l'après-midi, je vous raconterai ce qui s'est passé aussi. Voilà. Du coup, là, je monte le vlog, je fais le jeu avec ma soeur. Le jeu? Elle n'est pas au courant. Et puis après, je vous expliquerai dans la journée ce qui s'est passé. C'est pas drôle. Un peu. Bah, j'allais mourir quand même. C'est vrai. Bon, c'est à mon tour de lui faire peur. Je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Ah, elle arrive. Bah! Du coup, je vais faire le jeu avec ma soeur. On va faire le jeu du c'est un 10 sur 10, mais donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai vu ça sur TikTok parce que je suis tout le temps sur TikTok. Je ne connaissais pas moi. En gros, c'est tu notes quelqu'un, par exemple, tu notes un mec sur 10, donc en beauté, c'est un 10 sur 10, mais par contre, il sort tous les week-ends, tu vois. Donc du coup, tu mets un. Pour toi, ça te dérange qu'ils sortent tous les week-ends? Bah, tous les week-ends, ouais. Ouais, je mettrais un 7. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que je mettrais un 7. Ou même un 6. Parce que, à l'arrière, s'il sort avec moi, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. S'il sort avec ses potes tous les week-ends, franchement, ouais, ça me saoule. Ça me saoulera aussi, ouais. Après, tu peux dire, par exemple, c'est un 5 sur 10. Tu sais, il peut être moche, mais par contre, il cuisine, tu vois, par exemple. D'accord. Non, bah, non, c'est un 10 sur 10, mais. Il parle à plein de meufs. C'est un zéro. C'est un zéro. Ouais, moi aussi, c'est un zéro. Après, ah ouais, ça. Non, ouais, non, ouais, ah non, c'est non, un zéro. Non, je peux pas. Non, ouais, moi, je pourrais pas. C'est un 5 sur 10. Mais par contre, c'est lui qui fait tout le temps le ménage. Je dirais 8 ou 9. Ah ouais? Ouais, carrément. Tu passes d'un. Combien t'as dit 5? 5. Ouais. Ouais, bah après, ouais, non, ça dépend. Ouais, parce que 5. Ouais, c'est qu'il est pas très beau, quoi, quand même. Non, allez, je dirais 7. Ouais, bah allez, 7. À toi. C'est un. 6 sur 10. Mm-hmm. Mais par contre, il te fait plein de cadeaux. Comme cadeau des bah genre ce que tu veux quoi en gros bah pas voilà mais genre des fringues enfin il t'achète des vêtements
c'est un bon 7,5. Ouais. Ouais, parce qu'après, t'as pas vraiment forcément besoin de cadeaux, quoi. Enfin, ouais, non. Ouais, j'avoue. Au bout d'un moment, tu fais que des cadeaux, c'est avec ça. Ouais. Ouais, j'avoue. C'est un 10 sur 10. Mmh. Mais par contre... C'est un 10 sur 10, mais c'est pas faire à manger. Je dirais un 8 ou 9, tant pis, je lui apprends. C'est vrai. On mangera des pâtes. Ah oui. Un gros trou. Super. Ouais, on mangera des pâtes. Il y aura au fast food. C'est un 10 sur 10. Mais par contre, qu'est-ce que je pourrais dire? Mais par contre, il a une famille de cassos. C'est un 10 sur 10. Ouais. Bah, tant pis, c'est un 10 quand même. Enfin, on choisit pas sa famille. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi aussi. Pareil. C'est un 8 sur 10. Mais il pue de la gueule. Ah non, bah non, c'est un 0 du coup. Un mec qui pue de la bouche. Ouais, non, c'est un 0. Ou alors je lui achète du. du bain de bouche pour tous les jours. Ouais, mais après, des fois, tu sais, les gens, ça coûte une maladie, quoi. Donc, t'as beau acheter du bain de bouche. Ouais. Ouais, mais tu te vois embrasser un mec. Ça me donnerait des bouts de cœur. Ouais, moi aussi. Tu imagines, toi, tu l'embrasses. Oh, pardon, excuse-moi. Non. Je pourrais pas. C'est un 10 sur 10. Mais par contre, il se dégrotte le nez tout le temps. Il a tout le temps son doigt dans le nez. C'est dégueulasse. Oui. Tu mets combien? Deux. Je lui bande les mains derrière son. Ouais, moi aussi. Ouais, non, ouais, c'est un 2, ouais. Ouais, un ou deux. C'est un 3. Mais par contre, il t'emmène tout le temps en vacances. Moi, je dirais 8, peut-être. Ouais. Partir en vacances, c'est la vie. Ouais. Il t'emmène partout en voyage et tout. Puis au pire, j'essaie de le relooker un peu. Pour qu'il soit un petit peu plus haut. C'est un 8 sur 10. Mais par contre... Genre, il a des enfants, mais qui te supportent pas. Enfin, que toi, tu les supportes pas et eux, qui t'aiment pas du tout. J'avoue qu'à la longue, ça doit être chiant. Je dirais un 5. Ouais. Hein. Ouais. C'est vrai que, ouais, à force... C'est vraiment... j'arrive pas à... Je pense que si vraiment on n'arrive pas à se supporter, au bout d'un moment, on peut pas rester, je pense. Ouais, ouais, j'avoue. C'est vrai. Je dis un 5. C'est un... 10 sur 10. Mmh. Mais par contre, il s'habille tout le temps en jogging. Ouais. Et il porte des claquettes chaussettes tout le temps. Je dirais... Bah après, j'essaierai de le faire porter des jeans et tout, quoi. Et pas de claquettes chaussettes. Mais sinon, je dirais un 6, 7. Ouais. Si t'arrives à le relooker un peu. Ouais, si j'arrive, ouais, un peu. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai plus d'idées, hein. On a déjà fait pas mal. Ouais. Ouais, parce que là, je vois plus d'idées. Hein. C'est un 10 sur 10, mais par contre, il vend de la drogue. Non, bah, du coup, c'est un 2 ou 3 sur 10. Ouais, parce que franchement. Après, s'il paraît, ça paye bien. Mais bon, après, si tu te fais chauffer. Non, ouais, non. J'avoue. Bon, allez. Ouais. Ça fait 7 minutes. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Arrête de vous embêter. On va faire autre chose. Yes.
Bon, allez, deuxième essai pour lui faire peur. J'espère qu'elle va pas mettre trois heures. J'espère qu'elle est pas en train de faire caca. Bon bah du coup c'est encore loupé. Je suis nulle en fait. Mais en même temps mes 3 heures elles sont faites. Après mes 3 heures parce que tant qu'elle sera habillée. Voilà, tant qu'elle sera habillée et tout. Enfin elle met 3 heures. En plus maman va à l'hôtel donc dépêche-toi. Bon bah du coup c'est loupé. J'ai pas réussi à lui faire peur. Et toi? Qu'est-ce que tu manges? Là je t'ai grillé. Un radis? Ouais. Je veux bien du coca s'il te plaît. Moi aussi j'ai envie de manger un truc. Mais je crois qu'il n'y a pas grand chose. J'ai envie d'une tomate cerise. S'il vous plaît, madame. J'en ai pas. Mince, bon bah tant pis. C'est ballot. Bon allez, je vais boire du coca. T'es gonflé, toi. Elle se prend trop pour une mécano. J'essaie de pas filmer Antoine, mais il met sa grosse tête devant ma caméra. Alors. Est-ce que tu peux juste me dire. Ou alors ses fesses. Si je peux faire des vues grâce à tes fesses, ça me va. Frère, vous êtes bizarre, ils couchent ensemble et ils s'appellent frère. Ah, les consanguins. Ah bon? Ah bon, ça va alors. Pas avant le mariage, c'est vrai. Bon, on est encore chez nos parents. Là, Elodie, elle va partir. Il est 20h05. Elodie va rentrer chez elle, moi aussi, parce que demain, c'est le boulot. Donc du coup, à partir de maintenant, vous ne me verrez plus dans ses vlogs. Enfin, plus autant qu'avant en tout cas. De toute façon, elle arrête les vlogs fin août. Je crois qu'elle faisait que pour août. Donc voilà, vous me verrez plus, c'est dommage. Voilà. Bon, bah, bisous à tous et à bientôt. Rebonjour. Bon, finalement, il est 22h15 et bah on est toujours chez mes parents. Finalement moi Antoine il aidait mon père et un copain à mon père à faire la fenêtre. Bref. Et du coup bah ils ont galéré à faire. Du coup Elodie est restée avec moi, on parlait, papa, voilà, tout ça quoi. Et du coup bah on a mangé vite fait chez mes parents, on a mangé des galettes de sarrasin. Et là c'est sûr, on s'en va. Parce que bah, il est l'heure d'aller se coucher et puis moi demain matin je travaille. Donc voilà, bon je me lève à 7h15. Donc, enfin on reprend tout ce travail demain, moi par Elodie. Mais sinon on reprend tout ce travail demain, on est un petit peu dégoûté, mais bon faut bien reprendre un jour pour re-avoir des vacances après. Ah lumière. Donc voilà, donc là c'est vraiment la dernière fois que vous me voyez. Voilà, bon bah je vous souhaite. Une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. Et je pense qu'Elodie va vous reprendre tout à l'heure. Non? Bon, bah je pense, voilà. Bon, bah allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à vite. Bisous. Rentrer chez moi, il est 23h. Et avant de dormir, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier parce que je pense que c'est ce que vous attendez le plus sur ce vlog. Il se trouve que, bah vous savez, je perce à la langue. Deux fois j'ai deux piercings et hier du coup avant-hier pour vous je suis allée chez mes parents, j'ai mangé, tout allait bien, j'avais plus mal au niveau de la langue, du moins beaucoup moins mal, j'avais moins de gêne pour manger et tout. Du coup je mange correctement, je fais quand même attention mais je mange correctement. Voilà, la soirée se passe, et Lucie et Antoine repartent chez eux, moi je vais pour dormir chez mes parents. Du coup, je vais pour faire mon lit chez mes parents, et là, d'un coup, ma langue se met à saigner, mais à saigner, genre à pisser le sang sans s'arrêter. Donc ça dégoulinait, dégoulinait, dégoulinait d'un des piercings.
Du coup, j'appelle la perceuse en vitesse. Franchement, la perceuse, c'est un amour. Je vous la recommande à 100%. Elle est à l'écoute, vraiment. Elle est là quand vous avez besoin. Adorable, adorable. Du coup, je l'appelle en lui disant que je saigne de la langue, que ça ne s'arrête pas et tout. Donc, elle m'explique quoi faire, de prendre une compresse, d'appuyer pour que ça s'arrête. Sauf que ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Ça continue à pisser le sang. De là, elle me dit, écoute, enlève-le. Peut-être que quand tu vas l'enlever... En faisant appui dessus, ça va s'arrêter. Sauf que j'arrivais pas à l'enlever parce que j'avais tellement de sang que j'arrivais pas à retirer la bille. En plus, ma langue a été vachement gonflée. J'ai des ongles et tout, donc impossible de l'enlever. Mes parents, ils voulaient pas toucher. De là, ma mère a paniqué parce que je perdais vraiment beaucoup de sang. Elle appelle le SAMU. Le SAMU qui lui dit que je dois aller aux urgences. Sauf que vas-y, flemme d'aller aux urgences pour un piercing, quoi. Là, la honte. Du coup, la perceuse me dit, viens, je te l'enlève. Du coup, je suis partie chez elle à minuit et demi pour qu'elle puisse me l'enlever. Donc, elle me l'a enlevé en 2-2, elle, ça s'est bien passé. Je lui ai dit, écoute, enlève les deux, tant pis, ça me fait chier parce que c'était joli, j'aimais bien, quoi. Donc, elle m'a enlevé les deux. Et après, j'ai fait point de compression avec du sopalin et au bout de... 30 minutes, ça s'est arrêté. Mais ouais, j'ai perdu du sang pendant un bon 1h30, si ce n'est plus. Et pas qu'un peu, en fait. Ça pissait le sang à chaque fois. J'avais l'impression de boire de l'eau. C'est un verre d'eau, mais en fait, c'était pas un verre d'eau. C'était du sang que j'avais dans la bouche. Du coup, voilà. Du coup, j'ai dû retirer mes deux piercings. J'aurais pu les garder, hein, mais il aurait fallu que je fasse bien compression et tout avec le piercing. C'était chiant, donc... Donc on les a enlevés, tant pis, je le referai pas, je pense pas. Parce que c'est vraiment galère pour manger. Après c'est vrai que c'est beau, hein. Franchement c'était beau, mais bon, galère pour ne pas manger et tout. Donc tant pis, voilà. Donc là ça va mieux. J'ai plus de piercing, ma langue elle est dégonflée. Mais on a bien eu peur, mes parents ont bien eu peur. Parce que ouais, j'ai perdu beaucoup de sang et le pire c'est que, j'ai gaspillé carrément deux rouleaux de sopalin tellement je saignais. Il y en avait partout dans la voiture. J'avais du sang sur les mains, j'avais du sang un peu sur le visage. Enfin, ça allait quand même. Mais voilà. Du coup, ouais, j'ai gaspillé deux rouleaux de sopalin plein de sang. Mais ça s'est passé. En fait, ce qui a dû se passer, c'est que comme j'étais en train de cicatriser, que j'avais quasiment plus mal, j'ai dû taper dedans et puis ça s'est rouvert un peu. Je pense que ça s'est mis à saigner à cause de ça, malheureusement. Mais voilà. Voilà pour la petite histoire d'hier. Donc du coup, j'ai failli partir aux urgences à cause d'un piercing. On adore. Et puis j'ai dû les enlever, quoi. Ça fait un peu chier, mais tant pis. Et encore une fois, heureusement que la perceuse, c'est un amour. Elle s'y connaît vraiment. C'est pas du tout de sa faute, hein. C'est de la mienne. C'est à cause de moi. C'est parce que j'ai tapé dedans, ça s'est rouvert. Et puis voilà. La peau, je l'ai embêtée en pleine nuit. Et même en pleine nuit, elle m'a répondu. Franchement, c'est un amour. C'est une pépite. Elle est trop gentille et tout. Bref, voilà. La petite histoire qui s'est passée. Sur ce, là, je vais vous laisser. Je vais aller dormir. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Et puis, on se retrouve demain. Demain, ça va être une journée un peu calme. Parce que demain, on est lundi. Et j'ai pas grand chose à faire. Donc, on verra demain. Je vous souhaite une belle journée. Une bonne nuit. Un bon matin, je sais pas à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain!